Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin il est là, et je sais qu'il était attendu par énormément de personnes, et dont moi-même d'ailleurs, puisque c'est vrai que l'année Advanced Warfare a été une année plutôt, comment dire, très compliquée en fait, très compliquée. C'était pas exceptionnel du tout, Advanced Warfare, je crois que c'était même le Call of Duty que j'ai le plus détesté. Pour vous dire, même Ghost a sa petite place dans mon petit cœur. Alors que Advanced Warfare, non, lui n'a pas du tout sa place. En tout cas, aujourd'hui, on est sur Black Ops 3. Écoutez, je suis content de vous retrouver dessus. On va aller se faire une petite partie en multijoueur. Ça va être ma toute première partie. Hein. Vous pouvez voir, je suis niveau 1. Du coup, je peux rien personnaliser. Je vais faire avec les classes de base. En plus, je suis tout seul dans le groupe. Du coup, on va essayer de limiter la casse. Je vois que je suis en AT modéré en bas. Ça, c'est un petit peu gênant. Je pense que je vais mettre un petit peu de temps à trouver des personnes. Mis à part ça, j'espère pouvoir vous proposer voilà, un petit carnage, mais on va aller en MME, donc ça sera pas un énorme carnage, c'est juste voilà, pour découvrir un petit peu les changements qu'il y a eu par rapport à la bêta, puisque j'avais déjà fait une vidéo dessus, et puis essayer de faire un bon score, tant qu'on y est, autant ne pas faire de la merde, quoi, ça serait bien, pour les yeux, quoi, surtout pour les yeux. Allez, trouver partie du coup, standard, donc voyons voir, donc les modes de jeu, dernier rempart, ouais, je l'avais pas fait le mode dernier rempart d'ailleurs, c'est quoi qu'il y a dans bonus, jeu d'armes, garde terrestre. D'accord, un match à mort par équipe. Ok, d'accord, variant de mode, ok, très bien. Bon, nous on va en MME, tranquille. Et vous avez reçu une invitation, ouais. Par contre, je sais pas comment on coupe les... Je sais pas comment on les coupe. Du coup, tant pis. Et voilà, donc on est à la sélection des bonhommes. À la sélection des bonhommes. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Normalement, c'est bon. Je me suis acheté une lampe, puisque là, on est le soir. Je tourne la vidéo le jeudi soir. D'ailleurs, j'ai acheté le jeu, j'ai acheté Black Ops 3. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté et qui veulent l'acheter pas trop cher, je l'ai acheté à Carrefour à 50€. Donc voilà, si vous comptez l'acheter dans les prochains jours, n'allez pas forcément chez Micromania, qui le vendent à 70€, mais allez plutôt chez Carrefour ou Auchan. Peut-être Leclerc aussi, je ne suis pas sûr. Mais Carrefour et Auchan, c'est sûr et certain, il est à 50€. Donc si jamais vous avez envie de l'acheter, voilà, allez faire un petit tour là-bas, ça vous permettra de faire quand même 20€ d'économie, ce n'est pas rien. 20€, ça peut être déjà la moitié du prix du Season Pass, par exemple. Hein. Je dis ça, mais je dis rien aussi, ça peut être pour autre chose, ça peut être pour d'autres jeux, par exemple. Ou même pour aller faire des courses, manger un McDo, enfin, pour tout un tas de choses. Enfin bref, voyons voir, oh, il y a déjà un mec niveau 14 dans l'équipe. Il y a déjà un mec niveau 14, donc lui, il a l'air d'avoir saigné un petit peu le jeu. Donc moi, j'ai pris la madame machine de guerre, en espérant que... qu'elle soit forte, espérant qu'elle soit forte. Je vérifie juste. Ouais. Bah, ça m'a l'air good. Ok, bon, bah, ça m'a l'air good. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir les personnages qu'il y a en face. Alors, Glitch, je le connais pas forcément. Point de choc, ouais, je connais. Épervier, je connais. Par contre, le monsieur Glitch, ouais, je le connais pas du tout. Match à mort par équipe. Match à mort par équipe, ok. Bon, moi, je suis un joueur de... comment ça s'appelle, voilà, de fusil d'assaut. Ok, super. Alors, on va changer les touches rapidement. Non, ça, c'est pas ça que je voulais voir. Si, c'était ça, c'était là-dedans, je crois. Inverser les vues, non. Configuration joystick. Déjà, on va mettre en tactique. Y a pas. Ah putain, y a pas. Commande, ah si, tactique, voilà, c'est bon. Inversé. Voilà, on va prendre inversé. J'avais envie de tester, voilà, de voir comme ça. Et du coup, on est parti sur cette petite map. J'ai même pas vu le nom, je suis vraiment désolé. J'ai pas vu du tout le nom de la map. J'espère que je pourrai le retrouver par la suite. Du coup, ça fait... Ouah ! Ok, pardon, excusez-moi, je sais, d'accord. Ouais, la grenade, ça commence bien. Ben dis donc, ouais, Lilian. Oui, pourquoi pas. Tu commences en mangeant une grenade dans la tronche. Et tu commences par te faire défoncer, Lilian. Ouais, je sens que je vais me faire défoncer la tronche durant tout le long de la partie. Je le sens. Il y a un mec là. Je vois que sa tête. Et ouais, vas-y, c'est bon. 3-0, Lilian. 3-0. Ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas dit mon dernier mot. Ok, on est en tactique. Parfait. Donc on peut faire des petites glissades. Je sais pas si ça nous sera vraiment très très utile. Mais Je tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Je suis à 0-4, con. Oui, enfin. Eh ben dis donc, il était temps. Il était temps que j'en tue un. Je sais pas du tout où ils sont. Par là, ça m'a l'air bien là. Ça m'a l'air bien par ici.
Ouais, ça m'avait l'air bien. Ça va arriver de là-bas, ça va arriver de là-bas. Ça peut arriver de là aussi, en fait. Ça peut arriver de là aussi. Allez, on avance, on avance, on avance. On est là pour le spectacle. Je sens qu'il va y avoir un mec par là, j'ai peur. Allez, j'avance, j'avance. Un fucking camper. Ah non, il y avait une entrée ici, con, je l'ai pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait une entrée sur le côté gauche. Du coup, vu que je ne connais pas la map, bah forcément, j'ai des déplacements qui sont à chier. Et surtout que... Ah oui, en plus, j'ai oublié de préciser. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je joue à la manette de PlayStation 4, vu que c'est... Voilà, j'ai acheté la Play il y a pas longtemps. Et du coup... Oh le con, oh le con, eh ouais, le con, mais je l'ai vu en plus. Je l'ai vu, mais... Lilian, il veut faire du spectacle, le mec. Il est là et... N'importe quoi, Lilian. Aïe aïe aïe, allonge-toi, 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 allonge-toi. Petite grenade. Ok, c'est bon. Allez Lilian, on progresse. On progresse. Oh, on a la machine de guerre. Nice, nice. Nice, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah non! Ah si, je l'ai eu. Oh putain, il a explosé, mais alors 4 ans après lui. Ah le coquinou quoi. Il aurait dû crever direct, non? Comment ça se fait qu'il est mort? Qu'est-ce que c'était ça? C'est quoi cette fumée blanc là qui est passée devant moi? C'est quoi ça? C'est un bug ou ça fait partie de la map? Moi ouais, je sais pas, vous m'en direz des nouvelles hein, dans l'espace commentaire d'ailleurs parce que... Oh, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis bloqué! Mais je suis trop nul! Je suis trop nul! Ah, oh, je suis en 7-9 quoi, MDR! Je suis en 7-9, mais je fais n'importe quoi! Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un Call of. Vous m'excusez pour la qualité du gameplay. Je sais que c'est pas. C'est pas beau, hein. C'est pas très beau à voir. Pas beau du tout même. Mais bon, j'ai pas de classe, j'ai rien encore. On essayera de se refaire quelques parties. Un peu plus tard, quand j'aurai progressé, quand j'aurai récupéré quelques armes. Parce que là, c'est vrai que pour le moment, bah, c'est pas fantastique. Hein. Allez, on lance une petite grenade, on sait jamais. Ah non, la petite grenade, non, qui n'a servi à rien. Par contre... Bah, ils étaient deux, putain. Ils étaient deux, quoi. Non, ça a pas servi à grand-chose, ça. Hein. Allez, petite grenade au hasard. On sait jamais, à tout hasard, on croise quelqu'un, ça le tue. Il semblerait que non. Je sais pas, là je vais dans leur spoon. Là, à mon avis, je suis dans leur spoon. Du coup, là, je m'expose. Ok, il y avait un ennemi sur le côté là-bas, mais il a été vaincu. Ici. Pas l'air d'avoir grand-chose. Allez, on va passer au milieu de la map. On s'en fout. Oh putain, non. Mais non, mais je la relance. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est la partie la plus... Ouais, la plus catastrophique de ma vie, là. Ouah, il y a trop de... Ah, non, mais c'est pas vrai. Bon, du coup... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Lilian, Lilian, c'est sale. Il est pas mort. Il est pas mort. Allez, la grenade, la grenade. Oui, la grenade. La coquine. La coquinette. Ça va arriver de là-bas. Wouah, wouah, il m'a tué en deux balles. Ah, mais ouais, mais voilà. Lui, il a l'arme de... Il a l'arme abusée, là. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. C'est une arme qui est très, très forte, d'ailleurs. Qui est très, très forte, même. Je me souviens, c'est... Je l'utilisais dans la bêta. Et ouais, bah, elle a l'air toujours aussi... Ouh là là, le droit de gauche, Lilian, pas mal. Pas mal le droit de gauche en sensibilité 4. Pas mal du tout. Non, ouais, clairement, j'ai... C'est clair et net, hein. On va pas se mentir entre vous et moi. Il est clair que... Voilà, il est clair que j'ai un niveau plus que catastrophique. Je me suis fait toucher, j'avais l'écran tout rouge, et je suis ressorti. C'est la pire erreur que l'on peut faire. Hein. C'est clairement la plus débile des erreurs que l'on peut faire. Ouais, toi c'est bon, je t'ai eu. Il va y avoir un mec par là. Allez, petite grenade, on sait jamais. Oh là là, mon ombre, putain, mon ombre, elle m'a fait peur. Alors, on sort la machine de guerre, on sort la machine de guerre, on sait jamais. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça touche là-bas. Ça touche. Allez, on sait jamais, ça retouche. Oh, GG, il y en a un qui m'a sauvé la vie, ça arrivait dans mon dos. J'ai une assist en plus, ok. Bon, par contre, on est en train de perdre.
On est en train de perdre. 70 à 72. Ouais. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Non. Oh là là, elle a failli me venir sur la tronche. Oh, on a gagné. On a gagné sur la fin. 75-73. Oui. Oui, j'ai fini deuxième. 16-4. 16-4. Un score plutôt dégueulasse, clairement. Putain, j'en ai craché et tout, quoi. Non, on va se refaire une partie. Bon, on se refait une partie. On reste pas sur cette merde de game. Non, non, non. Non, 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 non. On va pas rester là-dessus. On va se refaire une partie. Parce que là, clairement... c'était pas fantastique, hein. J'ai quand même fini deuxième de la partie. On va voir le score. Voilà, j'ai fait du 16-14, 3 assists. Ouais, un score, on va dire. Très moyen, hein, très moyen. Un score très, très moyen. Voire quasi nul, hein, quasi nul. Même si c'est du positif pour une première partie, sachant que c'est la première fois que je joue à la manette de PlayStation 4, parce que j'ai toujours joué à Call of Duty sur Xbox One ou sur Xbox 360. On va dire que ça va, je peux me trouver des petites excuses. Mais va falloir que je la prenne en main un peu plus rapidement. Et ouais, j'ai joué avec les gâchettes L1 R1 là, c'était pas évident du tout. Bon, du coup, on a passé des niveaux, c'est cool. Et est-ce qu'on a des jetons? Ouais, on a un jeton disponible. Par contre, on peut mettre voilà, un viseur réflexe déjà, ça peut être pas mal du tout. Et puis on va virer ça. Moi, je joue pas aux mitraillettes, je joue au fusil d'assaut et j'avais envie de tester celui-là. Débloquer et équiper. Voilà, débloquer et équiper. Il me semble pas que j'avais joué avec celui-là. XR2. J'ai pas le souvenir de cette arme. Je pense qu'il y était quand même, mais j'ai pas souvenir de cette arme. Je pense qu'elle devait être bien à chier. Si je m'en souviens pas, c'est que elle devait pas être fantastique. Après, on a quoi? Main lest. Et là, on a quoi? On a fonceur. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas grand-chose à toucher. Je suis obligé de laisser tout comme j'avais. Ouais, j'ai besoin de tout laisser, quoi qu'il arrive. Et on va se faire une deuxième partie. Sur Breach en MME toujours, on va continuer. Alors ouais, j'ai pris MME, j'ai oublié de préciser, mais j'ai pris MME parce que voilà, c'est mes premières parties, d'accord. J'ai pas envie de partir tout seul en point stratégique ou en domination et me faire chier dessus. Hein. Clairement, c'est le genre de mode auquel il vaut mieux jouer en équipe, au moins avec 2 ou 3 joueurs au minimum, et au maximum bien sûr à 6. Mais voilà, la MME, on peut y aller comme ça tout seul, voilà, pour s'échauffer un petit peu, ou même voilà, pour faire des parties tout seul, tout simplement. On sait qu'on va pas tomber sur des mecs qui sont en train de tryhard, quoi, qui sont là vraiment que pour la victoire, à part quelques-uns, mais voilà, c'est très très rare comparé à la domination ou au point stratégique ou à d'autres modes de jeu comme la R&D, je sais pas, peut-être qu'il y a encore capture de drapeau, des conneries comme ça. Voilà, c'est des modes de jeu à objectif où vaut mieux être en équipe, clairement. Et du coup, voilà, la MME, c'est bien pour jouer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Impulsion visuelle, lui, je l'ai jamais vu, là. Impulsion visuelle, je savais pas qu'il existait. Bon, on va tester cette arme-là. Alors, apparemment, c'est une arme en rafale. Et je pense que je vais bien aimer le viseur, déjà. Le viseur a l'air pas mal du tout. Du coup, on va voir ce que ça vaut. Et on est parti dans cette game. Alors j'espère que la map... Ah, je crois que je l'ai vu cette map. Ouais, j'avais regardé le... J'avais regardé le... Comment ça s'appelle? Un live stream sur BO3 avec les équipes européennes contre les équipes américaines. Et ils avaient joué sur cette map. Par contre, je me souviens plus trop de exactement quoi. Ça tire, non? Ça tire. Ah, ça tire en haut. Vas-y, on va lancer une grenade. On sait jamais. Ok, lui, il en a tué un. Par contre, je vois pas trop... ouais, ça a l'air d'arriver par derrière, maintenant. Je comprends pas trop la map, là. Ah non, ah non. Ah, j'en ai eu un, quand même. Ah là, c'était compliqué de tuer les deux, hein, clairement, sur l'atterrissage. Oh là là, il m'a mis un double coup de crosse. Merde, j'ai plus l'habitude du coup de couteau. Et ouais, je joue en tactique. Et du coup, quand vous jouez en tactique, bah, vous perdez le réflexe du couteau et... Et voilà, dans ce genre de situation, bah, c'est impardonnable. Clairement, là, je me suis fait chier dessus à cause de ça. Oulala, là là, ici, ça a l'air d'être un bon spot. Ça a l'air d'être un spot auquel aussi on a l'air assez... assez visible. Ah, il y a un ennemi, là. Oh, je l'avais pas vu, lui. Oh, je l'avais pas vu. Oh, le campeur, quoi. Oh, il y a un mec, là. Ok, il y avait un mec. On va lancer une petite grenade là-dedans. Oui, la grenade, Lilian. Il y avait un mec encore, non? Oui, Lilian. Oh là 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 là, ça y est, Lilian, il est lancé. Et une petite grenade. Non. Elle passe pas. Alors, par contre, on va partir de là parce que je sens que ça va nous arriver en traître. Ouais, ça va arriver en traître ou quoi. On va essayer d'avancer par là. Pour le moment, il n'y a pas grand monde. Ça va pas tarder à arriver, cette histoire.
Ah, j'en ai paralysé un. Il est par là. Ah, il est pas mort avec deux rafales. Bon, ça va, on l'a tué, mais... Il était pas mort avec deux rafales. Ok, j'ai vu un mec. Il y en a un autre, là. Il y a un mec, là. Ouais, ouais, ils étaient deux. Ils étaient deux, j'ai pas réussi à gérer. Est-ce que je peux courir, là, sur le mur? Est-ce que je peux courir? Ouais, c'est bon, je peux courir. Par contre, ça m'a l'air... Ça m'a l'air risqué. Oh là 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 là, Lilian. Lilian. Oui, Lilian. Oui, Lilian. Bon, attention, attention quand même, parce que là, on est rouge. Ok, il y a des mecs. Et ouais, mais... Oh, il m'a tué en une rafale. C'est quoi son arme? Regardez, il m'a tué en une rafale. C'est quoi cette arme? Elle est complètement fumée, ça, là. Et il m'a tué en une rafale, le bordel. Une rafale. Oh là là, ça arrive dans mon dos. Oh là là, en plus, c'est un endroit fermé comme ça. C'est un endroit fermé. Vous pouvez être sûr que je vais me faire dézinguer. Ok, moins un. Moins un, moins un. Ça va arriver par là, là. Il y a un mec, là. Il y a un mec par là. Il veut pas sortir, le camper. Allez, sort, 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 sort. Ah, il veut pas sortir. Ok, il s'est caché. Ça sert à rien. Ça sert à rien de rester sur la place. On va se faire fumer si on reste ici. Autant partir. Oh là là, c'est un allié. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait peur, lui? Ah bah, il m'a fait peur, lui. Ça aurait pu être un ennemi. Et si c'était un ennemi, j'aurais été mort. J'aurais été mort, clairement. Ah là là là, il y a un mec là, il y a un mec qui arrive. Ah, j'ai eu l'assist. J'ai eu l'assist. Ah, mais il me tue. Mais elle est complètement abusée, son arme, à lui. Hein. Je sais pas ce que c'est, cette arme. Mais je peux vous assurer que je vais l'utiliser régulièrement. Moi, si elle tue comme ça en une rafale... Oui, toi, c'est bon, je t'ai eu. Par contre, ouais, c'est pas mal du tout, ça, le fait que cette arme-là tire des rafales assez rapides. Oui, Lilian, bien joué. Et là, voilà, je commence à récupérer quelques petits réflexes. Rien de foufou, attention, hein, je suis loin d'être un joueur pro. Hein. Clairement, j'ai un niveau qui est un peu pathétique. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Call of. Je sais pas comment il a su que j'étais là, lui, mais bravo, champion. Quoi? Oh! Alors, lui... Alors ça, c'est le manque de respect total. Le mec, il m'a tué. Oh, il m'a tué en me lançant une grenade sur le genou, quand même. Non, mais c'est une blague, quoi. Tu crèves en mangeant une grenade sur le genou. Oh, la doublette. La doublette. Eh ouais, par contre, je mettrai pas la triplette. Ça, ça non. Ça, par contre, ça, on la mettra pas. C'est clair qu'on la mettra pas. Malheureusement, on n'a pas le skill pour, on dirait. On va avancer, j'aime pas du tout être sur cette place là. Il y a tellement de positions par lesquelles on peut se faire fumer à partir d'ici que c'est trop dangereux. Je le sens pas ici, je le sens pas. Je le sens pas. Est-ce que je campe un peu là? Est-ce que j'attends un peu là? J'ai envie de partir, mais si ça arrive dans mon dos, je serais complètement dégoûté. Ouais, ça va arriver, c'est obligé, ça va arriver par là. C'est obligé, ça va arriver. Ouais, ça arrive là-bas. Ça arrive. Oh, en pleine tête. C'était même pas fait exprès, mais... Ça reste un kill. Ça reste un kill, mine de rien. Ok, il y avait un mec là-bas, j'ai pas pu le toucher. J'ai pas pu le toucher. Oui, oh, je l'ai tué en une rafale, lui. Il devait être blessé parce que je l'ai tué. Par contre, lui... lui, non, lui, j'ai pas pu le tuer en une rafale. Lui, clairement, non. Il m'a dit, écoute-moi... Tu m'excuses, mais t'as pas le level encore, Lilian. T'as pas le level pour... Oui, bien joué, ça. Hein, y a des petites choses bien sympathiques avec cette arme, mine de rien. Ah, on peut aller sur la place directement à partir d'ici. Intéressant. Par contre, si on tire tout à côté, ça reste pas très intéressant. Ok, non, ok. Alors, de quel côté? Oh, ça va arriver par là. Ça va arriver par là, on va lancer une petite grenade à tout hasard. Oui, on a gagné. Oh, on leur a mis une belle raclée, là. 75-55, c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est pas mal du tout, même. Et j'ai fini premier. J'ai fini premier, en 16-8, en plus. Voyons voir la killcam, quand même. Voilà, la petite AK qui fait son effet, hein, mine de rien. Elle fait son effet, mine de rien. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, qui c'est qui est premier? C'est qui? C'est Bibi. Non, c'est Lilian. Ouais, non, premier. Premier, après, il n'y a pas de quoi se vanter, on est en match à mort, hein, bien sûr.
Il n'y a pas de quoi se vanter, mais j'ai réussi quand même sur mes deux premières parties à finir deuxième et premier. Donc c'est pas mal du tout. Je suis quand même fier. Même si la première partie était un petit peu catastrophique, celle-ci, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux et on a réussi à finir deuxième et premier. Donc du coup, voilà, je suis satisfait, pas de problème. Allez, merci, au revoir. Non, je plaisante bien sûr, mais... Non, c'est plutôt satisfaisant hein, quand vous faites des bons scores. Enfin, moi, c'est même pas le faire des bons scores, en fait. C'est surtout... moi, je joue pas le kill. Je joue la victoire. Et le fait de gagner, déjà, rien que ça, ben, moi, ça me donne le sourire. En tout cas, j'espère que, voilà, vous avez apprécié mes deux premières petites parties sur ce Black Ops 3. Écoutez, j'espère que, sur la durée, il va être bon, ce jeu, parce que je sais qu'il est énormément attendu hein, par la communauté. Entre Advanced Warfare et Ghost, qui était loin d'être fantastique. Allez, forcément, ce Black Ops 3, il a du pain sur la planche, j'ai envie de dire. En tout cas, on va se retrouver d'ici quelques jours pour un petit mode zombie. J'espère que ça vous plaira, on va essayer d'en faire assez régulièrement. Le mode zombie qui... Ouais, je me suis mis un coup de coude sur le bureau et ça pique un peu. C'est pour ça que je suis resté bloqué. Voilà, j'espère que le mode zombie sera vraiment sympathique. On se le fera à plusieurs. Là, voilà, j'ai fait mon petit commentary en tout seul pour cette petite découverte. Mais pour le mode zombie, c'est forcément plus amusant à plusieurs. Du coup, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver du monde et on va passer un bon moment dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit pouce bleu d'encouragement qui fait toujours plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas... à laisser votre avis dans l'espace commentaire. Si vous avez acheté le jeu, qu'est-ce que vous en pensez hein, sur vos premières parties déjà, quel est votre avis. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci à tous, amusez-vous bien, portez-vous bien, et à très vite. Au revoir tout le monde, au revoir.